Et alors? À 14 jaunes, 10 jaunes à 14 jaunes. 14 jaunes, bien reçu. Ils ont eu 10 heures. Donnez la position. Dans le 15-30. Il s'est posé. Vivez. Capitaine, attention, capitaine. Ne vous posez pas, ne vous posez pas. Capitaine, 10 jaunes à 14 jaunes. Répondez. 10 jaunes à 14 jaunes. Ce que vous avez fait est absolument interdit. Vous ne l'ignorez pas. Écoutez-moi bien, Avignon. Je sais que vous êtes, à 22 ans, le plus jeune capitaine de la Wehrmacht. Mais je peux vous garantir que vous en serez le plus vieux lieutenant si vous continuez. Vos fantaisies étaient peut-être de mise dans l'Afrika Korps, mais pas ici. Voir votre nom s'étaler dans les journaux vous a tourné la tête, jeune homme. Seulement, dites-vous bien que vous n'êtes qu'un pilote qui a eu plus de chance que les autres. C'est tout. C'est tout à fait mon avis, Herr Général. Vous êtes aux arrêts de rigueur dans votre cantonnement, jusqu'à nouvel ordre. À vos ordres, Herr Général. Vous pouvez disposer. Tes 6 pics sont homologués. Tu les as eus en combien de temps? 11 minutes. Oh, tu gâches le métier, mon salaud. De quoi on a l'air? On t'attend au mess pour arroser ça, viens. Buvez sans moi. Je suis aux arrêts de rigueur. Le général? Qui veux-tu que ce soit? Décidément, il te déteste. Qu'est-ce que tu lui as fait? Moi, rien. Mais nous sommes les hommes de Rommel. Et je commence à avoir l'impression, depuis qu'on est revenu en Europe, que le chef de l'Afrika Korps a plus d'ennemis dans l'armée allemande que dans l'armée anglaise. Bonne nuit. Qu'est-ce que tu fais? Tu dors? Merde! Oui, je dors. Qu'est-ce qu'il y a? Tes arrêts sont levés. Ordre du général. Ordre du général?
Tu te fous de ma gueule? Non, non, sans blague. Ça vient d'arriver à l'instant. Passe au bureau, tu verras. Mais viens d'abord au mess, on a besoin de toi. Il arrive. Il arrive, il a envie de piquer comme ça sur l'anglais. Hé, chut! À la 150e victoire de l'Aigle du Désert, à notre capitaine, à Jochen, notre ami. À Dieter, aux 6 pilotes anglais qui ne sont plus. Et comme en Afrique, à Rommel! À Rommel! À Hitler. Allez! Donnez-moi un verre de champagne. Je tiens beaucoup à m'associer à votre toast. Merci. La santé du général Rommel, fort préoccupante à ce qu'on m'a dit. Capitaine, si j'ai levé vos arrêts, et croyez-moi, avec un immense plaisir, c'est que le grand quartier général m'a transmis une merveilleuse nouvelle. Le Führer vient de vous décerner les épées de diamant, la distinction suprême dans la croix de fer. Mais ce n'est pas tout. Le Führer tient personnellement à vous décorer. Vous partez pour Berlin dès ce soir. Voici votre ordre de mission. Si tu m'avais dit que j'allais le rencontrer, lui parler, j'arrive pas à y croire. Tu te rends compte? Oui. Ça, on peut dire que tu as une sacrée veine. Tu vas passer 8 jours à Berlin, rencontrer des êtres humains. Oui! Tu me diras comment c'est fait quand tu reviendras. Moi, j'ai oublié. On a tous oublié. Qu'est-ce qui t'arrive, Horst? T'es pas comme ça, Tobruk. À Tobruk, on n'avait pas le temps de penser. Et j'aimais le désert. Puis, là-bas, on avait l'impression d'être utile. Alors qu'ici, c'est le Führer lui-même qui a décidé de nous ramener sur le front ouest et de nous placer ici. Et c'est ce qu'il fait, non? Mais tu penses peut-être être meilleur stratège que lui? Oh, tout de suite. Qu'est-ce que c'est? L'adresse de ma femme à Berlin. Tu pourrais peut-être passer la voir. À Jochen! À Jochen! Tout compte fait, ne va pas voir ma femme. Elle écrit presque plus. Il doit y avoir une raison. Avec ses frères? Lui donner à une fille, une belle arienne. Bon, qu'est-ce qu'il faut? Oui, voilà, très bien. Voilà le sujet, Avignon. Tu en montes environ 60 mètres. C'est le seul où il y a le Führer. Tout ça pour quand? Pour hier. D'accord, d'accord. C'est qui, la fille? Je ne sais pas. Sans doute une mal baisée de la Croix-Rouge. Ne montre pas ça. Coupe.
Mon Jochen. Mon Jochen. J'ai un télégramme de ton père, du front russe. Il vient vers le vin. Alors, tu as vu le Führer? Il t'a serré la main. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh, presque rien, mais il m'a convoqué à son bureau ce soir. Il veut me parler, seul à seul. Seul à seul? Lui et toi? Tu es sûr? À quelle heure? À minuit. Minuit? Il ne dort jamais. Vous connaissez une boîte près de la chancellerie? À vos ordres, capitaine. J'ai ce qu'il vous faut. C'est un honneur pour nous, mon capitaine. Qu'est-ce que je vous sers? Du champagne. Ah oui, tout de suite, mon capitaine. Mesdames et messieurs, il y a un abri à votre disposition à gauche en sortant de l'immeuble. Il y a de la place pour tout le monde. Du calme, s'il vous plaît. Il n'y a aucun danger. Il faut vraiment descendre. C'est le règlement, mon capitaine. Comme ça? Pas toutes les nuits, mais ça arrive. Vous venez d'Afrique? Oui. Enfin, j'y étais. C'était vous ce matin? Oui. Je vous ai même embrassé. Excusez-moi. C'est le cas, je suis claustrophobe. Je voudrais sortir. Oui, bonne idée. J'ai du champagne au frais. Vous venez? C'est interdit, non? Ils vont dire les soldats. Et ils vont me saluer. Regardez. Champagne? Non. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, là-bas. Vous aimez la l'aquavite? Je suis suédoise. Vous êtes déjà venue dans cette boîte? Oui. À votre neutralité. Je ne suis pas neutre, puisque je suis là. Pour la Croix-Rouge? Pourquoi avez-vous accepté de remonter ici? Il y avait trop d'uniformes. Je ne peux pas enlever le mien pour vous faire plaisir. J'ai rendez-vous avec le Führer. À cette heure-ci? À minuit. Un autre verre? Ah,
Liv, j'essayais d'éviter la police. Capitaine Avignon, mon ami, Théo Strickhold. On ne sort pas sans papier, Théo. Il se croit toujours en Suède. Vous êtes suédois, vous aussi, hein? Cigarette? De Stockholm. Vous avez laissé vos papiers à l'hôpital. Je les ai amenés chez moi. Nous avions rendez-vous pour ça. Le capitaine doit rencontrer le Führer à minuit. Ah. Qu'est-ce que vous faites là? Vos papiers. Je suis le capitaine Avignon. Et madame et monsieur sont avec moi. Excusez-nous, capitaine. Mais vous faites votre travail, mon ami. Merci. N'ayez pas peur comme ça, mon vieux. Vous êtes neutre. Et je suis avec vous, non? Après pour les photos et les commentaires. Qu'est-ce que tu fous là? Tu ne sais pas que c'est interdit? Ta gueule! On va te la faire passer, ta cuite! Tu vas voir. Qu'est-ce que vous avez dit? Excusez-nous, capitaine. Excusez-nous. Votre ami est juif, celui d'hier soir. Vous avez vu le Führer? Oui. Il vous a reçu longtemps? Une heure? Je ne sais plus. Vous avez parlé de quoi? De la guerre. On peut se revoir. Je suis très prise, capitaine, je m'excuse. Te cherche partout. Depuis hier soir, capitaine. Nous devions parler après votre entrevue avec le Führer. J'avais oublié. Tu as vu ton uniforme? Je vais lui donner un coup de fer. Non, ça ira très bien. Où ça se passe? Dans votre chambre.
vous allez nous parler du Führer, insistez surtout sur sa prodigieuse mémoire. Je suis sûr qu'il se souvient de chacun de vos combats. L'évasion avant m'est insuffisante. Il faut quelqu'un de vraiment compétent et je ne trouve personne. Et vous pensez que je peux vous trouver cette personne? C'est une des raisons de mon voyage à Berlin. Eh bien, je suis désolé, je suis dans la même situation que vous. Je cherche et je ne trouve pas. Ah, laissez-moi vous présenter notre ami Romain. Bonjour. Vous êtes Liv? Oui. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Comment ça s'est passé pour Théo? Ça va, il est parti. Mais nous avons été contrôlés par la Gestapo hier soir. Chez vous? Non. Dans une boîte de nuit. Un contrôle de routine pendant l'alerte. Nous avons été tirés d'affaire par le capitaine Avignon lui-même. Avignon? Le pilote? La star? Comment avez-vous fait? Voilà ce que vous m'avez demandé. Ils étaient roulés dans le cadre de mon vélo. Qu'est-ce que c'est l'histoire à propos du capitaine Avignon, dites-moi? J'étais dans le même abri que lui. Il s'est souvenu de l'aéroport hier matin. On a bavardé. On a même bu un peu ensemble, de l'aquavite. Il a dû me trouver à son goût. Tu te mets en civil? Je ne vais pas passer ma permission à signer des autographes. Ça fait 4 ans que je n'ai pas quitté l'uniforme. Comme ça, je te retrouve. En capitaine, tu m'intimides. Tu n'étais pas inquiète cette nuit? Toutes les filles sont amoureuses de toi. Tu as bien raison d'en profiter. Alors, le Führer t'a parlé des Juifs? Oui, maman. Ah, ces Juifs. Ils nous ont fait tant de mal. Et maintenant, ils se prélassent dans des camps, bien à l'abri, pendant que des hommes comme toi ou ton père risquent leur vie tous les jours. Je vais me changer, maman. Excuse-moi. C'est pour toi. Je repars demain. Tu retournes en France déjà? Non, à Rome. Le Duce doit me remettre la médaille de la vaillance italienne. Merde! Jochen, mais c'est magnifique! Tout ce que j'y vois, c'est qu'on me sucre encore ma permission. 3 ans que ça dure. Tu ne devrais pas dire des choses comme ça. Bonjour. Bonjour. Vous avez rendez-vous, je vous dérange? Non, non, au contraire. Je sortais incognito. Tous ces journalistes. Ah. En fait, je voulais vous revoir. Et comment m'auriez-vous retrouvé? À la Croix-Rouge ou devant chez vous? On se serait raté, vous là-bas, moi ici. Vous voulez marcher au bord du lac? Oui, pourquoi pas. Civil, je ne vous ai pas reconnu tout de suite.
Je dois avoir l'air d'un embusqué. D'un neutre. C'est comment la Suède? Éclairée. J'ai vu la Suisse une fois, au cours d'un vol de nuit. Toutes ces lumières. Fantastique. Pourquoi vouliez-vous me voir? Pourquoi êtes-vous intervenu hier soir? Parce que vous me plaisez. Et je n'ai pas tellement l'occasion de rencontrer des femmes comme vous. Et puis, vous aviez peur. Qui était cet homme? Vous aviez deviné. Un juif. La Croix-Rouge aide les juifs. Elle essaie. Vous aussi, hier soir. C'est pour me poser cette question que vous vouliez me revoir? Et pour vous remercier? C'est pour vous que je l'ai fait. Et s'il avait été seul? Ça ne me serait même pas venu à l'idée. Il loge chez vous? Non. Il doit être arrivé en Suède. Tant mieux pour lui. Vous le pensez vraiment? Oui. Pourquoi m'avez-vous dit ça? Je pourrais vous dénoncer. C'est vrai. Maintenant, je suis entre vos mains. Vous pouvez, vous aussi, être de la Gestapo. Vous apprenez vite. Après tout, ce serait possible. Tout est possible. Depuis cette nuit, je sais que tout est possible. Même des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous m'avez bien dit que vous êtes entre mes mains? Oui. Prouvez-le. Vous devez absolument arriver à convaincre vos chefs que les officiers allemands ne sont pas tous nazis. Si jamais ils pensent le contraire, oui, cette guerre pourrait durer 5 ans ou plus encore. Eh bien, voilà. Oui. Bonjour, c'est la chambre... Ah, attendez. 110. Vous pourriez nous faire monter du champagne? Ah. Oui, et... des petits fours? Des canapés, c'est bien. Et... c'est bien. Oh, attendez. De l'aquavite. Oui. Merci. Ça vous va? Très bien. J'ai l'impression d'être une putain. Ah, pardon. Non, je ne voulais pas vous donner cette impression. Non, mais c'est amusant, je vous assure. Ça vous arrive souvent de suivre un homme que vous ne connaissez pas dans une chambre? Non. Vous savez que la Croix-Rouge est un milieu très fermé. Je connais tous les hommes que je rencontre. Et vous en rencontrez beaucoup? J'ai 30 ans et une éducation très libérale. On vous appelle comment? Jürgen. Et vous? Liv. Liv? Liv? Eh bien, Liv... il n'y a plus qu'à attendre le champagne. Cigarette. Merci.
Qu'est-ce qui est possible et que je ne peux pas imaginer, Jochen? Je ne veux pas parler de ça. Pas maintenant. C'est quoi cet hôtel? Réservé aux héros du Troisième Reich. Alors, tu as des amants? Oui. Beaucoup? Assez. Et toi? Tu n'as personne? Je n'ai qu'une femme dans ma vie, l'éternelle Allemagne. Liv devrait déjà être ici. Je ne comprends pas. C'est à l'hôtel Alton avec le capitaine Avignon. Comment le savez-vous? Je les ai vus hier soir. C'est pris une chambre. Elle est folle. On ne trouve pas. Le capitaine Avignon me paraît une relation tout à fait intéressante. Pour elle? Pour nous. Et je suis heureux que leur nuit se prolonge. C'est bon signe. Je n'aime pas votre cynisme. Moi non plus. Je rêvais que j'étais abattu. Tu souriais. Oui, c'était presque agréable. J'ai déjà été abattu, mais jamais devant mon petit déjeuner. Pain français, beurre danois, confiture belge. Par à quelle heure pour Rome? 5 heures. Oh. Liv! Cette histoire avec Avignon, ça te mènera où? Nulle part. De toute façon, c'est fini. Il part pour Rome à 5 heures. À Rome? Tu en es sûr? Oui. Passez-moi l'hôtel Adler, monsieur Colombani.
Laisse pas descendre. C'est trop tard. Quoi? Il faut que je descende au premier arrêt. Je n'ai pas le droit de sortir d'Allemagne sans permis. Avec moi? Si. Oh, mais pour l'Italie, je n'ai pas de visa. Le mien compte pour deux? J'ai rien à mettre. Oh, ça c'est facile à arranger. Tu sais quelque chose? Je suis content avec toi. Brenner, tu sais, je n'ai pas d'estime pour les Italiens. Ils n'aiment pas assez la guerre, c'est ça? Ils la font mal. Tu es vraiment un tueur. Oui. Si tu n'étais que ça, je ne serais pas ici. Mais je t'ai menti. J'ai été nommée à Rome. Seulement, je ne savais pas si je t'y reverrais. Je devais partir dans 2 jours. Signora. Grazie. Prego. Te commander un petit déjeuner, prendre un bain et je te retrouve. Si tu vas faire des courses, j'ai de l'argent. Ne sois pas bête, les Suédois sont riches fatalement. Ils approvisionnent tous les belligérants. C'est mon bocal. Bonjour, madame. Bonjour. Vous auriez ma taille dans ce modèle? Celui-ci doit vous aller, si vous voulez bien. Oui, merci. Vous êtes Liv? Oui. Soyez demain à 11h30 sur la petite place près du pont devant le marchand de fleurs. Comment va-t-on me reconnaître? On vous reconnaîtra. D'accord. J'aime bien ça. Oui? C'est joli. Jochen! Pardon? Il y avait ça pour toi à la réception. Très chic, hein? Merci. Hmm.
Le Duce ne pourra pas me recevoir. Comment? Ma permission est prolongée de 2 jours. Yeah! Viva il Duce! Madame? Je suis déjà venue ici. Avec un type? Oui. Mon père. J'avais 7 ans. Ne sois pas jaloux d'autres hommes. Ils étaient suédois. Neutres à tout point de vue. Et ton père aussi? Il était luthérien. Et il a épousé une juive. Alors, tu es... juive. Ah. Voilà. Tu sais tout. Je ne peux pas être neutre. Et ici, tu vas continuer à aider les juifs? Oui. Et si tu te fais prendre? C'est le risque. Vous êtes nombreux. Je n'aime pas penser à ça. Les Allemands ne sont pas tous nazis. Oui, je sais. Si nombreux que ça. Ça t'étonne? Pas vraiment, mais vous n'avez pas la moindre chance. Nous sauvons beaucoup de gens, des dizaines. Vous ne pouvez pas en sauver des millions. Oui, des millions livres. Tout est prévu. C'est même ce qui est en train de se faire. Hitler me l'a dit. C'est ça, ce qui est devenu possible. Et ce que tu pouvais même pas imaginer. C'est de ça qu'il a parlé. Il a même employé une expression atroce. La solution finale. Solution finale. Ça veut dire... Des ordres précis ont été donnés au camp de concentration. On met en place tout un programme d'anéantissement systématique des juifs déportés. Les femmes, les enfants, tous devront disparaître. Des spécialistes étudient les moyens de les supprimer massivement. Cet homme est fou, Liv. Ou il est devenu fou. Nous nous battons pour un malade mental. Nous nous faisons tuer pour lui. C'était ça que je ne pouvais pas dire l'autre jour, quand je suis venu devant chez toi. Et il m'a dit ça comme la chose la plus naturelle, évidente. Il a commencé à parler. Parler. Et il ne pouvait plus s'arrêter. Un monologue de dément. Nous, les Allemands, nous avons été tellement humiliés. Et quelqu'un nous avait rendu notre fierté. Tout paraissait lui donner raison. Alors, nous en avons fait un dieu. J'en étais arrivé à croire qu'il ne pouvait pas se tromper. Buongiorno, vorrei un mazzetto di fiori. No. Quelli. No, io preferisco quelli. No. Sono quelli, no. Ma chi sei lo stesso? Guarda, guarda.
Vous êtes sûr que Hitler a bien employé les mots « la solution finale » Pourquoi Avignon vous en a-t-il parlé? Il est bouleversé. Complètement bouleversé. Il pense qu'Hitler est devenu fou. Les Allemands se font tuer pour un fou. Il a raison. Le problème, c'est qu'ils ne le savent pas encore. Et qu'après, ce sera trop tard. Je suis navré de ce contretemps. Il doute et est très soucieux en ce moment. Il ne vous remettra pas lui-même la vaillance militaire. Voulez-vous un café? Non, merci, mon colonel. Et vous profitez un peu de votre séjour à Rome? Oui. C'est votre médaille, avec la citation. En principe, je devrais vous donner la collade et vous saluer, mais... Non, c'est très bien comme ça, mon colonel. Vous parlez italien? Oh, très peu, mon colonel. Grazie, spaghetti et prego. Voulez-vous que je vous traduise? Non, merci, mon colonel. Ce doit être comme d'habitude. Eh bien oui, c'est comme d'habitude, mais peut-être un peu plus emphatique. Merci. Avignon. C'est un nom curieux pour un Allemand. Non, le colonel Galland porte aussi un nom français. Oui, c'est vrai, mais Avignon, Bédaride, Marseille, il y en a dans votre armée. Ce sont les noms de ceux qu'on appelait les Juifs du Pape. Les Juifs du Pape? Au IVe siècle, je crois, les papes les autorisaient à porter des noms des villes pour les protéger des exactions chrétiennes. Et je vous signale que tout ceci est inscrit dans votre dossier. La Gestapo a le sens du détail. Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien. C'est... C'est drôle. Tu as reçu ta médaille? Oui. Dans cette tenue? Oui. J'aurais très bien pu me présenter à poil. Personne n'y aurait fait attention. Même Mussolini? Non, je ne l'ai pas vu. Il n'aime plus les Allemands. Non? Comment ça s'est passé? Devant une tasse de café. Une très belle cérémonie, très amicale. Où étais-tu? Il fallait que je voie celui qui s'occupe de la filière d'évasion. Enfin, mon nouveau patron. Tu vas continuer, évidemment. Oui, il faut. Mais il m'a donné la possibilité d'aller en Suisse. Je réceptionnerai les évadés. Oh, mais c'est formidable, Liv. Tu seras à l'abri. Tu n'auras plus peur. Tu vivras. Oui. Je serai tranquille. Et tu as accepté? Oui. Oh, si tu savais comme je suis heureux. Qu'est-ce qu'il y a? Je te proposais de partir avec moi. Nous pouvons être en Suisse à la fin de la semaine. J'aurai les papiers, l'argent, tout. C'est toi qui as eu cette idée? Je pourrais te dire oui, mais ce n'est pas moi. Je leur ai parlé de ton entretien avec Hitler, de ce que tu avais ressenti en l'écoutant délirer sur la solution finale. Ils les ont transmis. Oh non. Et sans te citer, bien sûr. On a demandé si tu accepterais de me suivre. Tu m'as dit que les Allemands se faisaient tuer pour un malade mental.
Tu n'as pas le droit de garder ça pour toi. C'est trop important. Peut-être que ça hâtera la fin de la guerre. Ce n'est pas seulement les Juifs, Jochen. C'est les massacres. En Russie, dans les Balkans, oui, c'est vrai. En Afrique. C'est vrai, il est fou, mais... Mais dis qu'il est fou. Je ne sais pas quoi. Faire des choix. On m'a pas appris. Bon, enfin, si. Quand on doit attaquer avec le soleil dans le dos, qu'il faut pas poursuivre un ennemi déjà touché, des choses comme ça. Et je te propose un choix. Oui. Et tu te sers de moyens déloyaux. Lesquels ? Toi. Je t'aime. C'est pour ça. J'en suis pas sûr. Seulement, moi, je t'aime. C'est pratique. On danse ? Non. C'est un choix qui est encore à ma portée. L'infatigabile generale Rommel e le nostre gloriose truppe italiane incalzano le loro offensive vittoriose. Nell'ordine del giorno, il comandante dell'Afrika Korps ha tenuto a rendere omaggio al valore eccezionale delle truppe fasciste. Grande eroe dell'Afrika Korps, il capitano Hans-Joachim Avignon, che il Führer ha decorato lui stesso questa settimana a Berlino, della croce di ferro con spade in diamante. Où allons-nous ? Je ne suis pas chargé de vous le dire. Vous suivez le couloir. Quelqu'un vous attend. Allez-y. Bienvenue. Vous êtes ici chez vous. Dino Lancellotti. Liv. Capitano. Vous êtes de la famille d'Antonio Lancellotti? Oui, c'était mon frère. Il pensait que c'était le devoir d'un prince Lancellotti de combattre pour son pays. Je suis du même avis, mais pas de son camp. C'était le meilleur pilote de l'armée italienne. Il a été abattu le jour de Noël à quelques kilomètres de moi. Oui. Venez, je vais vous présenter à mon père, il est au courant. Mais il ne peut pas parler, il est hémiplégique depuis la mort de mon frère. Il est dans le même camp que nous. C'est sa seule activité. Depuis 6 mois, il n'a rien fait d'autre
que regarder le feu. Papa, voici nos amis. Ils sont venus te saluer. Venez, vous pouvez lui parler, il comprend tout. Il sait qui vous êtes. Bonsoir. Mon père vous trouve très belle. Vous êtes gentil. Croyez-moi, c'est surtout un connaisseur. Eh, papa? Captain, venez. Mon père vous admire, il connaît votre courage. Mais ce n'est pas ça la raison. Il vous admire à cause de ce que vous faites. Il a dit que c'est un honneur pour lui de vous recevoir dans sa maison. Que c'est aussi votre maison. Pour aussi longtemps que vous voudrez. Merci. Merci. Eh, papa. Capitano. Désolé, je n'ai rien pour vous, mais on n'a pas de femme dans la maison. Notre ami a dû récupérer vos valises, il les emportera demain matin. Non, 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 non. Dans la mienne, il y a mon uniforme. C'est dangereux pour lui. Ne vous inquiétez pas, il est habitué. Qui est au courant de notre présence? Oh, seulement mon père et moi, les domestiques d'or. Mais demain? Demain, vous ne serez pas là. Je vous amène ailleurs. Chez qui? Chez moi, à la campagne. Mais il est tard. On va parler de ça demain matin. Bonne note. Bonsoir. Merci. Je n'aime pas ce costume. Et les rideaux non plus. Viens. Viens. Non, non, non. Absolument pas de problème. Non, je vais leur faire visiter ma propriété. Oui, ils sont des amateurs de cheval. Ils ne pouvaient pas mieux tomber. Non, c'est dangereux avec toute cette paille. D'ailleurs, on arrive. Voilà, c'est là où je lève mes chevaux et je les dresse. Hey, Hitler! Hi. Heil Hitler! Heil, aus. Trop aimable. Puis-je savoir ce que vous me voulez? Vous avez bien reçu le capitaine Avignon, n'est-ce pas? Oui. Quand? Hier matin, je crois. Oui, c'est ça, hier matin. Vous l'avez reçu dans votre bureau? Oui. Et vous ne l'avez pas revu après ça? Non. Enfin, oui,
Nous avons bu un café. Il était seul? Oui. Seul avec moi. Pourquoi? Il ne vous a rien dit? Rien dit de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cet interrogatoire? Qu'est-ce que c'est que cet enlèvement? Qu'est-ce que c'est que ce ton? Vous paraissez oublier que je suis votre supérieur. Je n'ai pas de supérieur hors de la SS. Et j'ai autre chose à faire que des amabilités. Le capitaine Avignon ne s'est pas présenté au départ de son avion pour la France et il n'est pas à son hôtel. Il a disparu. C'est moi qui suis chargé de savoir pourquoi. Ce que je vous apprends là est un secret d'État, bien entendu. Et j'ai aussi pour mission de protéger ce secret à tout prix. Ne l'oubliez surtout pas, colonel. À quoi penses-tu? Je pense que ce serait effectivement agréable de ne pas avoir peur tous les jours. Et pourtant, ce n'est pas ça. C'est quoi? Il y a les autres, les Mulry, et aussi les autres pilotes, ta mère. Après cette guerre, il faudra bien qu'il y ait des gens qui survivent, non? Oui, mais... pas à n'importe quel prix. C'est très facile de rester en vie. On a voulu me retirer du front pour apprendre à de jeunes pilotes à se faire tuer. Et tu as refusé? Oui. Oh, on ne peut pas accepter d'apprendre ça aux autres. De toute façon, je suis déjà mort. Comment? Oui. D'après les statistiques sur la durée de vie des pilotes, je suis déjà mort depuis un an. Oh. Oh. Cette fois-ci, j'en suis certain. Il s'agit bien de Liv Gustafsson, 30 ans. Elle a fait des études de médecine à l'université de Stockholm. Elle s'engage à la Croix-Rouge en 1941 sans avoir terminé ses études de médecine. Sa mère est juive. Son chef, le docteur Müller, est toujours à Berlin? Je ne sais pas. Allez, montez vite, docteur. La Gestapo va vous interroger à propos de votre petite Suédoise. Ils l'ont arrêtée? Pas encore. Vous avez un point de chute? Il faut que je passe chez moi. La Gestapo y est déjà. C'est toi qui es venu chercher les valises d'un couple Santa Maria di Trastevere. Où les as-tu apportées? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Tu me donnes l'adresse et tu t'en vas. Tu es bien? Oui. Non. Tu sais tout de même que j'ai fait ça pour nous. Tu es sûr? Je n'ai pas parlé! Je n'ai pas parlé! Je n'ai pas parlé! Monsieur Schmidt.
J'ai tout. Les passeports, les billets et les francs suisses. Dis-nous. Superbe faux papier. Regarde. Mr. Larnen. Made in England specially for you. Merci. Military intelligence. Oui, military intelligence. Ainsi, vous n'êtes qu'un espion. Ça peut s'appeler comme ça. Et moi, qui vous ai suivi, un traître. Jochen, écoute-moi. Ta gueule! Mais qu'est-ce qu'il vous gêne? De me retrouver à la solde de l'Angleterre. Mais avec qui voulez-vous combattre les nazis? Je peux combattre les nazis, mais pas l'Allemagne. Pas mes camarades. Vous croyez que je trouve ça drôle de me battre contre mon pays? Ça vous regarde, mais ne comptez pas sur moi pour en faire autant. Oh, t'es fou! Tu as déjà choisi, c'est trop tard! Sûr que c'est trop tard. Tu as tout fait pour ça. Ton rôle de petite espionne. Jochen. C'était vraiment nécessaire de me faire croire que tu m'aimais. Je t'aime. Ah, ne te fatigue pas, Lee. Ton rôle est joué. Liv, non. Je ne peux pas le laisser partir sans argent, sans papier. Il est perdu, c'est du suicide. Il le sait et c'est son choix. Il est tard, il faut se lever. Ma porca miseria. J'ai bien réfléchi, Liv. On ne peut pas continuer comme ça. On va fatalement se faire prendre. Et je ne veux pas être responsable de ta mort. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas passer en Suisse, seul, avec ton passeport. Une fois à l'abri, tu pourras choisir d'y rester ou de reprendre ton combat. Mais au moins, ce sera ton choix. Pas le mien. Alors ? Rien. Je t'écoute. Et qu'est-ce que tu deviens dans tout ça ? Ça n'a pas beaucoup d'importance. En quelques jours, j'ai vécu plusieurs vies. Et ce n'est pas si difficile que ça de mourir. Je le sais. Mais... ce n'est pas ce que je voulais te dire. Ce que je voulais te dire, c'est qu'il existe forcément des officiers allemands qui ont découvert les mêmes choses que moi et qui doivent être comme moi, complètement perdus. Tu vas me laisser juste un peu d'argent
Et je vais essayer de prendre des contacts. J'ai quelques idées, quelques noms dans la tête. Si je pouvais joindre Rommel, tu parlais avec lui, on pourrait faire quelque chose. Abattre le Führer. Je ne sais pas. Mais nous voulons la même chose. Oui, mais vous voulez abattre l'Allemagne. Moi, je veux la sauver. Essayez. Et c'est déjà bien tard. Je crois que nous nous reverrons un jour. Si la guerre est finie, si nous sommes vivants tous les deux, si nous parvenons à nous retrouver. Si tu m'aimes encore. Chut, chut, t'aime. Ouvre. Monsieur, Madame Launay. Oui. Excusez-moi, vos passeports, s'il vous plaît. Certainement. Alors, capitaine ? Je vous ai déjà dit non. Et vous ne me ferez pas changer d'avis. Je ne veux pas reprendre mon commandement. Je ne peux pas. Parce que vous pensez avoir le choix, vous n'êtes plus dans l'Afrika Korps. Le Reichsführer Heinrich Himmler n'est pas le général Rommel. Et nous, les SS, faisons une autre guerre que la vôtre, la vraie. Vous manquez d'informations, jeune homme. Tenez. Informez-vous. Prenez votre temps. Je vous laisse réfléchir. Non seulement vous êtes juive, mais vous avez commis un crime impardonnable. Vous avez transformé un héros allemand en lâche. Le capitaine Avignon ne veut plus retourner à son poste. Il ne veut plus se battre. Il faut que vous répariez maintenant. Je vais vous laisser seul avec lui et vous allez le convaincre de changer d'avis. Vous êtes une professionnelle de l'espionnage. Vous êtes donc informé de ce qui vous attend si vous n'y parvenez pas. Vous êtes prête ?
suis prête. Continue à leur dire non. Quoi qu'ils te disent. N'aie pas peur, ne crains rien. De toute façon, ils nous tueront. Écoute-moi, dis non, Jochen, dis non. C'est maintenant que tu es un héros. C'est maintenant. Dis non. Non, Jochen. Dis non, non. Arrêtez. Je suis prêt à retourner en France. Dis non, non. Vous êtes prêt à reprendre le combat? Oui. Dis non, non. Arrêtez. Non. Oui. À une condition. Vous n'avez pas de marge de manœuvre, capitaine. Aussi. Je suis un héros national, ne l'oubliez pas. C'est d'ailleurs pour cela que vous avez tenu secrète ma désertion. Je peux retourner là-bas et passer la Manche, et puis parler. Mais je ne le ferai pas. À une condition. J'écoute. Vous la faites passer en Suisse. Entendu. Votre parole d'officier, commandant. Parole d'officier. J'aurai confirmation de son passage. Nous vous mettrons en communication par téléphone. Elle confirmera elle-même. Bien. Je veux rester un moment avec elle. La vie sauve, qu'il te ferait passer en Suisse. Si je retournais là-bas. Non. Écoute, écoute. Ils m'ont promis que je te joindrais par téléphone. Écoute bien. Quand je téléphonerai de là-bas, si tu me dis que tout va bien, ça signifiera qu'ils n'ont pas tenu leur promesse. Tu m'écoutes? Oui. Si je te dis. Tout va bien. Je suis perdu. Oui. Et tout le reste. Tout le reste, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. D'accord? Si je dis. Je te dis que tout va bien. C'est que je suis perdu. Nous partons, capitaine. J'ai respecté ma parole. Il paraît que tu as été malade. Quelque chose comme ça. Grave? Assez, oui. Merde. Tu nous as manqué. Donne-moi une cigarette. Comment vont les autres? Helmut y est resté. Le petit Brunner aussi. Hollendorf est tombé chez les Anglais. Blessé, je crois. On a battu 7 Spitfire, 3 Beaufighter. Moi, j'en ai eu 2.
vous a ramené un SS? Il m'a ramené. À propos, je divorce. Qu'est-ce que tu vas faire? Vos camarades vous cherchent. J'essaie d'obtenir ce numéro. Mais c'est bien naturel. Je voulais vous présenter mes félicitations. 161 appareils abattus, c'est splendide. Votre correspondant, capitaine. Liv! Liv! Tu m'entends? Tout va... Oui, oui, c'est moi. Tout va bien? C'est vrai? Tout va bien? Liv. Nous avons été coupés. Les lignes sont très encombrées. Mais elle vous a dit que tout allait bien, n'est-ce pas? Vous voyez? Nous avons tenu parole. Où étais-tu passé? Comment? Où étais-tu passé? On t'a cherché partout. J'étais allé faire un tour. Ah ouais. Attends. Tes bottes te font mal. Là, prends les miennes. Et toi? T'inquiète pas. Qu'est-ce qui t'est arrivé à Rome, Jochen? Ça va. Vous faites une sortie, capitaine? Juste un petit tour, pour voir. Son parachute.
Hans-Jochen Avignon. Vous venez de nous quitter, mais vous resterez à jamais l'image du héros allemand et national-socialiste, fidèle à son Führer jusqu'à la mort. Car c'est pour lui, c'est en son nom qu'a été remportée chacune de vos 161 victoires.